Rome ne cache pas sa colère contre Londres. La tentative de libération d'otages au Nigeria, menée par les forces locales, appuyée par des forces britanniques, a échoué. Pire, elle s'est soldée par la mort de deux personnes, l'Italien Franco Lamolinara et le Britannique Chris McManus. Le président italien Giorgio Napolitano ne mâche pas ses mots. Nous n'avons été ni informés ni consultés, dit-il. Une action militaire pouvait avoir des conséquences dramatiques et malheureusement, ce fut le cas. Une clarification est nécessaire sur le plan politico-diplomatique. Rome exige des informations détaillées sur le raid. Londres fait tout pour relativiser l'incident. Le chef de la diplomatie britannique, William Hague. Nous n'avons été en mesure d'informer le gouvernement italien que lorsque l'opération était en cours. Mais je pense que tout le monde comprend les contraintes d'un tel cas, que le temps était un impératif important, explique-t-il. Les ingénieurs Christopher McManus et Franco Lamolinara avaient été enlevés au Nigeria il y a presque un an, en mai 2011. L'assaut s'est soldé par leur mort et la capture de plusieurs des terroristes.